que vous allez bien. Bon, on est juste en retard de, je sais pas, 2 ou 3 jours sur certains calendriers. Je sais, nous ne sommes pas très réguliers, hein. Donc celui-ci, je pense qu'on est en retard 2-3 jours. Donc il va y avoir un chocolat pour tout le monde. Tiens. Oh, cette tête. Ah, c'est un maxi chocobon. Ah, c'est pour maman. Mila va croquer dedans quand même, parce que autrement elle va pas être contente, je pense. Tu veux croquer? Tu veux croquer? Et les restes, c'est pour maman. Ah, merci. Pas obligé de me lécher le doigt, là. Numéro 6, c'est la 6. Vas-y. Waouh, c'est un Père Noël. Ouais, un Père Noël en chocolat Kinder. Et on va faire le numéro 7. Le 7, c'est là. Non. Allez, ouvre-le celui-là. Celui-là. Ouais, bravo. Ah, encore un chocobon. C'est encore pour moi. Ça, c'est pour maman, le chocobon. C'est trop bon. Allez, tiens. C'est trop bon, les chocobons, un truc de malade. J'adore. Allez, celui-là, on va le... Le barbu, on va le scalper. Oh, regarde, tu veux goûter? Donc c'est tout, hein. C'est tout maintenant. C'est fini le chocolat. Oh, il a mangé le Père Noël en complet, le cochon. J'ai dégommé le Père Noël. On n'a pas fait celui, le gros Amila du haut. Donc on va monter. Parce que hier, on est parti tôt. On s'est levé super tôt, on était fatigué, du coup complètement dans le gaz, j'ai oublié de le faire hier matin. Donc Mila a 2 cadeaux à ouvrir en haut, enfin 2 cases de calendrier de l'avant. Alors, le 6 et le 7, papa il va les ouvrir avec toi. C'est où le 6? C'est où le 6? Ah, c'est celui-là. Oulala. Attends. Vas-y. Hop, et là. Ah, c'est la boule de Noël. Papa, il doit mettre une photo dedans. Waouh. Secoue-la comme ça, regarde. Waouh. C'est trop joli, ça. Elle a compris comment ça marche. Waouh. Papa, il va mettre une photo de Mila ou de nous, en tout cas, on verra. Dedans, c'est papa qui va le faire. Et le numéro 7, il est où? Le numéro 7. Oh, 7, il est là, il est là. Il est là, le numéro 7. Il est là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le numéro 7 va lui plaire. Attends. Non. Ben papa, il peut déjà. Tu peux déchirer, papa, c'est pas grave. Voilà. Oh. Oh, oh. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, une batterie de cuisine. Oh là là. Oui. On va l'ouvrir. Tu veux qu'on joue? Non, t'as plus qu'à demander une belle cuisine au Père Noël. Avec un peu de chance, il te l'apportera. Tiens, regarde, c'est comme papa. Mets ta main dedans. Bah elle sait ce que c'est, elle a joué avec le tien de la semaine. Elle est à sa taille. Ouais, tu vas pouvoir nous aider encore plus qu'avant à faire la cuisine. Donc Regarde, ils sont bien ce truc là. Regarde. Ouais, c'est comme papa il a. T'es contente? Trop marrant. C'est des vrais ustensiles en fait. Ça vient de chez Emma. Oui. Mais ça c'est pour mesurer ça je pense. Oui c'est des mesures mon cœur. Bon il est l'heure de manger Mila. Pour elle ça va être pas de boulot. Encore elle en a eu hier soir. Mais bon voilà on lui a préparé ça. Parce que c'est une des choses qu'elle préfère. Et puis nous, on s'est pas trop cassé la tête ce midi. Et des surgelés de chez Picard pour tout vous dire. Voilà. Genre un petit panier, c'est quoi ces petits paniers camembert? C'est des feuilletés.
Oui, mais enfin, il y en a un, il ressemble à un petit panier là, camembert, un truc comme ça. Ouais, et l'autre, je ne sais plus. Camembert et l'autre, c'est bacon. Je sais pas si c'est... Voilà. Je vous retrouve en direct de la chambre de Mila. Mila, elle est en train de faire la sieste en bas dans le canapé. Oui, parce que pour le moment, elle peut toujours pas venir ici. Ça sent encore la peinture. Pourtant, on aère tous les jours. Mais ça sent encore. Il faut dire, il y a eu tellement de peinture là. Alex, ce soir, il doit seulement repeindre ça parce qu'il a pas eu le temps avant. Enfin, vous savez, le corps de cheminée là qui est rose. Je veux le même rose que le lit. Donc voilà, donc c'est pas pour tout de suite encore la chambre, mais bon voilà, ça, en attendant la chambre est presque terminée, c'est pas grave, c'est juste que pour le moment elle peut pas encore dormir dans son lit. Donc voilà, pour les mamans qui me regardent avec leurs enfants, sachez que là, je vais me transformer en lutin du Père Noël. Comme vous le savez, cette année, eh bien j'aide le Père Noël à emballer les cadeaux des enfants, parce qu'il est surchargé de travail, voilà, voilà. Trop de travail. Les 35 heures, elle connaît pas, donc voilà. Là maintenant, pendant qu'elle dort, je vais en profiter pour emballer quelques cadeaux. Histoire d'avancer un petit peu là-dedans, et puis au moins je peux les cacher plus facilement, parce que pour le moment tout est dans le bureau d'Alex et commence à en avoir un peu marre parce que ça prend beaucoup de place. Et j'ai reçu une commande, il faut que je vous montre. J'ai reçu, vous savez, ma commande de chez idecadeau.fr, donc j'avais trouvé le kiki, je vous le montre. Ça, franchement, honnêtement, je l'ai pris pour Mila parce que je sais qu'elle aime bien mon chichi, mon kiki, mais en fait c'est limite plus pour moi que je l'ai pris pour elle, donc voilà. Regardez comment il est trop canon. On le voit pas bien avec le soleil, je vais essayer de vous montrer moins dans le soleil, voilà. C'est trop une tuerie, il est juste trop beau. Alors j'ai reçu en même temps les couverts, donc effectivement c'est pas Hello Kitty pour celles qui m'ont fait la réflexion, c'est Charmy Kitty. Et en fait les couverts sont censés être personnalisés, je vais juste déposer mon... Voilà, parce que je n'ai pas encore regardé. J'ai reçu ça ce matin, pour tout vous dire. Ah, voilà, en fait, j'ai fait mettre son nom juste ici. On pouvait mettre ce qu'on voulait, mais moi, je voulais juste son prénom. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais ici, c'est gravé Mila. Et il y a un couteau, une fourchette, une grande cuillère, une petite cuillère. C'est super. Et la dernière chose que j'ai commandée chez eux, c'est, vous savez, cette chaise, en fait, qui ressemble à ça, et elle est personnalisée. En fait, il y a son nom qui apparaît quelque part, mais à mon avis elle a monté cette chaise, et ça c'est le dessus. Je vais pas la monter tout de suite, je vais demander à Alex qui s'en occupe, parce que c'est Alex le manuel, même s'il n'y a pas grand chose à mettre, hein, c'est juste accrocher les pieds, etc. Il doit y avoir 4 vis à mettre, mais bon, soit. Voilà, c'est personnalisé à son nom, donc ça c'est le dossier de la chaise, en fait, qui se met, à mon avis, vous savez, qui s'accroche sur la chaise. C'est trop trop joli. Donc tout ça, ça vient du site idecadeau.fr. Mais je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo wishlist. Mais je voulais absolument vous montrer le kiki. Oh, mais il est juste terrible, c'est un truc de ouf. Regardez comment il est immense. Il est immense. J'adore, franchement il est trop 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 beau. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Au même endroit que tout à l'heure. J'ai plus de voix. Alex est en train de partir avec la petite. Il va chez son tonton dire bonjour avec la petite. Moi j'ai tellement de trucs à faire, j'ai pas eu le temps de la journée. Mila, elle a pratiquement pas fait de sieste, elle a dormi 30 minutes. J'ai jamais su la rendormir après. Donc j'ai pas pu faire mon travail de lutin vu que après je l'ai eu toute la journée, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tout emballer. Eh bien ce que j'ai à emballer, hein, vous savez. Je vais emballer un maximum le plus rapidement possible pendant qu'il part. Sachant qu'il va bien partir 2 heures là, donc facile. Bon, je vais commencer par emballer tout ce qui est Disney. Alors j'ai la fameuse Minnie qui est là. Hein. J'ai Boo qui est ici. Aïe. Et j'ai réponse que vous aviez déjà vu. Donc ça, je vais faire des emballages serres. Et ça, je sais pas comment je vais faire parce que l'épluche, c'est toujours compliqué. Mais j'en ai 2 ou 3 à lui donner. Donc je pense que je vais quand même, décidément, je vais quand même la... Comment dire, l'emballer celle-ci. Je vois qu'elle était à 51 €. Je l'ai payée 24 pendant le Black Friday. Ça c'est vraiment une bonne affaire.
Bon, j'ai pas fini, il me reste 5 cadeaux à emballer pour le Père Noël, hein. Et tout ce qui est peluche, maison, cuisine, etc. Tout ça, ça va pas être emballé. Je pense que je vais acheter des gros nœuds pour mettre dessus ou je vais faire des gros nœuds moi-même. Mais je me vois pas emballer ça. Comment voulez-vous que j'emballe les peluches ou même la maison poupée là. Je sais pas comment je peux emballer ça, c'est pas possible. Donc voilà. Il y a des paquets, genre celui-là, celui-ci et celui-ci. C'est juste impossible de les emballer autrement, franchement. C'est pas possible parce que les trucs ils sont. Bah, les emballages sont pas carrés à l'intérieur donc j'ai fait comme j'ai pu, c'est pas la folie furieuse, mais voilà, ça le fera. On mettra les plus jolis cadeaux sur le devant. Hein. Alors aussi pour celles qui me demandent tout le temps si on ouvre les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin. En fait ça dépend les années, mais cette année on fait le 25 au matin. Donc en fait. Je pense que cette année, on fait juste un repas, moi, Mila et Alex, le 24 au soir. On ne fait pas ça en famille cette année. Enfin, en famille, voilà, juste à trois, quoi. Mais le lendemain à midi, on va sûrement avoir la famille chez nous. Donc voilà, on va plutôt faire un repas le lendemain midi. Et donc, l'ouverture des cadeaux se fera le 25 au matin. Et bien, quand le Père Noël sera passé la nuit, bien sûr, amener les cadeaux. La chambre, c'est toujours le bazar. Parce qu'en fait, j'ai encore ramené plein de trucs qui étaient dans tous les coins de la maison. Qui vont dans la chambre de Mila. Et j'ai pas encore eu le temps de les ranger parce que je sais pas tout faire. Et que quand Mila est avec moi dans la chambre, eh bien, elle fout plus ce bazar qu'elle ne range avec moi. Donc voilà. Donc voilà, quelques minutes plus tard, quelques longues minutes plus tard, hein. Mila est lavée, je suis lavée, mes cheveux, vous savez ce qui me dérange avec mes cheveux en fait, c'est que ils sont propres. Qu'est-ce qu'il se passe là? Attends mon cœur parce que ma caméra elle se sent mal. Désolée, ma caméra a fait un malaise. Je disais donc, mes cheveux, ce qui me dérange, c'est que quand les racines sont foncées comme ça, on dirait qu'ils sont sales alors que je les ai lavés hier matin. Donc ils sont absolument pas sales, hein, mes cheveux sont propres et on dirait que j'ai les cheveux gras en racines alors que pas du tout. Donc c'est ça qui me dérange avec le fait qu'on voit mes racines, c'est ça le problème du truc en fait. Voilà. Bon, sur ce petit vlog, eh bien, je vais vous laisser parce que je suis super fatiguée. J'ai vraiment du mal de me remettre depuis Londres, en fait, au niveau fatigue. Je vais au ralenti, en fait, depuis que je suis revenue de Londres et je vais au ralenti pour tout. Et ça, plus Disney, où on s'est levé hyper tôt et on est rentré pas super tôt, etc. Enfin, soit, franchement, j'ai du mal de m'en remettre. Donc, je me couche assez tôt en ce moment. Enfin, j'essaie de me coucher tôt dès que je le peux et aujourd'hui je le peux. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu quand même et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.